Salam alaikum, Mazur Fellaoun. Bonsoir. Il suffit souvent de bien peu, en des temps cruciaux, pour que des équilibres fragiles basculent dans le mauvais sens de l'histoire. Il suffit que des forces mauvaises s'agglomèrent pendant que d'autres, plus saines, se disloquent, pour que le cours de la vie des peuples soit dévié, que les destins se fourvoient, que des révolutions emblématiques s'échouent sur des rivages tragiques. Après une si longue nuit coloniale, une lutte âpre, cruelle, d'une violence inouïe, le peuple algérien avait fini par se libérer du joug colonial. Des hommes et des femmes étaient là, qui avaient toujours été aux côtés de leur peuple, bien avant le déclenchement de la révolution armée. Ils avaient tout donné à leur cause pour libérer leur peuple. Ils se sont forgés à la trempe et au feu de l'action, du militantisme, de la lutte anticolonialiste. Ils ont su, à force d'efforts, d'intelligence et surtout de conviction, passer entre les gouttes de pluie, si on peut dire, entre le péril mortel de l'occupant et l'hostilité naturelle des embusqués de la Révolution qui ne rêvaient que de pouvoir les neutraliser d'une façon ou d'une autre, faire main basse sur la Révolution, puis sur le pouvoir de l'Algérie libérée. Ben Youssef Ben Khedda a été de ces hommes intègres, lucides, droits, traversé de lumière, porté par un rêve dont la vision était celle d'une Algérie moderne, mais authentique, ancrée à ses valeurs séculaires dont il était lui-même profondément pétri, que même le colonialisme n'avait pas réussi à extirper du cœur et de la mémoire de ses compatriotes. Si cet homme et ceux qui, comme lui, chacun dans son propre ancrage idéologique, avait pu être porté à la tête du nouvel État algérien, notre destin aurait été tout autre. Mais, comme je l'ai déjà dit, il suffit souvent de si peu pour que des équilibres fragiles basculent dans le mauvais sens de l'histoire. Et c'est ce qui advint à notre malheureux pays. Le vent ne souffle pas toujours au gré des voiles. Il advint ce qu'il devait advenir. Le fleuve de la Révolution a été détourné pour se perdre dans des terres mortes. Les hommes, comme Ben Youssef Ben Khedda, qui auraient pu nous mener à bon port, ont tous été évacués d'une façon ou d'une autre. Certains ont été assassinés, d'autres embastillés, persécutés, menacés, mis en résidence surveillée, leurs biens confisqués, empêchés de s'exprimer, de se porter au secours de ce peuple qu'ils aimaient tant. D'autres ont été tout bonnement achetés, corrompus, en vie l'argent. Youssef Ben Khedda n'a jamais abdiqué son droit ni son devoir de résistance. Comme tous les grands acteurs de la révolution algérienne, il fut réduit à l'impuissance par ce régime qui avait pris le pouvoir par la force et la ruse. Il s'est éteint, Rabbi Yarhamou, le 4 février 2003, il y a 13 ans, jour pour jour. Aujourd'hui, dans la sélection des articles de presse en langue française qui traitent du sujet, nous n'avons pu trouver que deux articles de presse. Les autres journaux n'ont pas estimé important d'évoquer cet anniversaire, ni de rendre hommage à l'homme. C'est pour cela que dans notre top 3 d'aujourd'hui, où on présente généralement la sélection de 3 articles de presse, il n'y aura que 2 articles de presse. C'est dire. Aujourd'hui. Aujourd'hui pour le top 3, seulement 2 titres. El Mujahid. Forum d'El Mujahid, hommage à Ben Youssef Ben Khedda, un modèle d'engagement révolutionnaire, par Nora Chergui. Le soir d'Algérie,
Forum del Mujahid, l'hommage à Ben Youssef Ben Khedda par NB. Aujourd'hui, avec nous pour traiter de cet événement par ordre alphabétique, le fils de Si Ben Youssef Ben Khedda, Rabbi Rahmou, Salim Ben Khedda, professeur en cardiologie, Zahir Ihdaden, ancien Moujahid, professeur d'université, fondateur de l'Union des étudiants musulmans d'Afrique du Nord en 1953, historien de la presse algérienne. Il a été l'un des initiateurs de l'École supérieure du journalisme. Il est l'auteur de plusieurs publications sur l'histoire du journalisme en Algérie. Nous aurons aussi avec nous Sadq Sellem, historien, un habitué de nos émissions et que nos téléspectateurs connaissent bien. Est-ce que Sadq Sellem est avec nous? Sadq Sellem, merci d'avoir accepté notre invitation. Allô? Sadq Sellem, merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Merci. Alors, je vais vous demander de vous livrer à un exercice très difficile. Nous faire un résumé du parcours révolutionnaire de Ben Youssef Ben Khedda en 4 ou 5 minutes, si tant est que cela est possible. Alors, Ben Youssef Ben Khedda était né en 1920 à Berwadia, dans le quartier de Vrassouk. Les anciens se souviennent très bien de son père qui était Bachadel, originaire de la région de Mazouna. Et il a fait de bonnes études au collège colonial de Blida, avec des gens qui étaient... Sadq Sellem, vous semblez assez essoufflé. Je vais vous laisser reprendre votre souffle, je reviens à vous dans 2 minutes. Je vais recevoir Salim Ben Khedda. Salim Ben Khedda, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, chez vous. Merci. Alors, Salim Ben Khedda, avant d'en arriver à l'homme politique, au révolutionnaire, j'aimerais... Vous savez, il suffit de taper le nom de votre père sur Internet pour avoir une foule d'informations sur lui, des informations de tout genre. C'est que son engagement était très riche. Mais on aimerait d'abord, avant de commencer à parler de son parcours, que Sadq Sellem va nous en faire un bref historique, j'aimerais que vous nous parliez un peu de l'homme, du papa, de l'époux, du frère, de l'homme, du voisin, de son tempérament, de son état d'esprit, de son amertume. Merci beaucoup donc, de m'avoir donné la parole et pour parler. Il est toujours difficile de parler d'un être aussi cher qu'un papa. On ne peut pas être, bien sûr, objectif. J'ai eu donc le privilège et la chance de le côtoyer presque 40 années. Bien sûr, j'en garde des souvenirs très intenses. D'abord, il avait des qualités, beaucoup de qualités. C'était un père exceptionnel, un pédagogue fort clair. Je vous interromps. Salim Ben Khedda, excusez-moi de vous interrompre, on ne vous entend pas très bien. Donc nous allons revenir à vous, le soutien technique va s'occuper de régler cette question et je reviens à vous dans un moment. Et je reviens à Sadq Sellem. Sadq Sellem, je vous en prie, vous pouvez poursuivre ce que vous aviez commencé. Oui, alors je disais donc qu'il était issu d'une famille qui avait hérité, si vous voulez, d'un héritage culturel très fort de Mazouna, où il y avait ce qu'on pouvait appeler des universités islamiques. Et son père était Bachadel, affecté à Barouakia où il est né. Après, il a été au collège colonial de Blida, qui deviendra le lycée du Verrier, où il avait comme condisciple le plus âgé parmi eux, c'était le docteur Lamine de Barine, ensuite Saad Dahleb, ensuite Abba Ramzan, ensuite... Ils étaient avec lui dans le même lycée? Et ils étaient dans le même lycée, c'était vraiment une pépinière. Et Omar Oustia, qui était un peu plus jeune.
Ah, d'accord. Et accessoirement, Jean Daniel, dont je vous parlerai tout à l'heure, qui a profité un peu de cette connaissance ancienne. D'accord. Et qui est Jean Daniel, qui était lui aussi avec eux dans le même collège? Oui, il était originaire de Blida, où il en parle beaucoup dans ses souvenirs, il est très marqué. D'accord. Mais après, bon, je ne pense pas qu'il ait fait du bon journalisme concernant Bahada lui-même, on en parlera après. Donc Bahada a hérité, si vous voulez, de cette mémoire d'une famille instruite, qui était marquée par les débuts de la conquête, les récits, et il était prédisposé à s'engager politiquement, il l'a fait, mais il a poursuivi ses études, contrairement à quelqu'un comme Aït Ahmed, par exemple. Aït Ahmed a abandonné ses études pour l'engagement, et lui, dès le lycée, dès l'adolescence, il avait des prises de position contre des professeurs qui disaient du mal du prophète et qui avaient une histoire coloniale. Et donc, sa prise de conscience était assez précoce, mais sa première implication, c'est quand il était étudiant en pharmacie, pendant la guerre mondiale, il a prêché pour l'insoumission, c'est le refus de porter l'uniforme du colonisateur, donc il lui a valu des déboires avec l'administration coloniale, et c'est le début d'un engagement qui se démentira jamais, donc dans le PPA clandestin, et puis par la suite, il était à toutes les grandes réunions, notamment à partir de la création du MTLD, la réunion qui a conduit à la création de l'OS en février 47, la réunion des cadres de 48, et donc ses qualités intellectuelles et de militant lui ont valu d'être élu secrétaire général du comité central. Et il était le symbole d'une nouvelle génération de diplômés prenait les rênes du parti, et c'est le début d'un dissentiment un peu diffus avec Messali, qui deviendra ouvert au moment de la crise de 53. Et il a été secrétaire général du PPA à l'âge de 22 ou 23 ans. Du MTLD. Ah, du MTLD, d'accord. Du MTLD, d'accord. Oui. D'accord. À partir de 48. Oui. Donc il était proche de l'Ahoul, de ce qu'on appellera de manière un peu indûment, à mon avis, la formule un peu floue de centraliste. Parce que dans les centralistes, on met Mahari était très proche de Boumboulaïd. Il savait très bien qu'il stockait les armes, etc. Et donc, et puis il s'occupait, c'était, si vous voulez, moi je regrette de ne l'avoir pas vu plusieurs fois, mais quand je l'ai revu quelques fois chez lui à Hydra, je lui ai remis des rapports du deuxième bureau et le SDEC, ce qu'il disait de lui. Mais excusez-moi, moi, il me semble qu'il était secrétaire général du PPA MTLD. Il avait remplacé Hossein Lahoul. Non, Hossein Lahoul, justement, c'était le MTLD en 48. Ah, non, en 1951. Oui, lui, il a été, si je suis loin de mes documents, je crois que c'est en 50. Il a remplacé le Hossein Lahoul. Ouais, il me semble, du moins. Le PPA n'existait plus. Le PPA, il y a adhéré quand il était clandestin pendant la guerre, mais officiellement, il était secrétaire général du MTLD quand il a remplacé Lahoul, je pense que c'est 51. Oui. Et donc, ça l'a amené à venir voir Messali à New York, et ses récits sur les relations avec Messali sont très intéressantes, elles ne sont pas écrites. Et donc, lui, il sentait que Messali... il avait pris l'habitude de vivre en France, de consulter ses conseillers de couchisant, etc., Bahada soupçonnait Messali Hadj d'accorder plus d'importance à ses conseillers trotskistes qu'à ses adjoints du MTLD, du fait de son ancienneté en France, de son habitude de faire de la politique à l'ancienne. Bahada était très conciliant avec lui, il venait le voir pour... essayer de trouver des compromis, mais par la suite, il n'y avait plus aucun compromis possible. C'était la scission de 53. Et donc, les réunions concurrentes.
Et dans le même temps, il s'occupait de l'Algérie libre. Ça, on peut, parce qu'il y a des articles non signés, on peut reconnaître ces articles à lui. Donc il était porté vers l'écriture. Si vous voulez, je me souviens très bien d'un des rapports du deuxième bureau le concernant. Au moment de l'approche des négociations, c'est un intellectuel et un analyste porté vers l'action. Mais d'abord un intellectuel, un froid analyste très précis. Et le rapport disait, en cas de négociation, il risque d'être un adversaire des plus redoutables. C'est des rapports secrets, donc il ne bâtit pas. C'est un jugement objectif sur ses qualités, parce qu'il était. Le SNEC le voyait quand il allait en Amérique latine, même au Caire et à Tunis, ils ont tracé son portrait. Et moi, je regrette qu'une seule chose, c'est que la mort a arrêté un processus où moi, je voulais lui donner des documents précis qu'il lui. Ah, nous avons perdu. Nous avons perdu Sir Selem. Nous allons essayer de le retrouver. Nous revenons à Salim Belkhadda. Salim Belkhadda. Oui. Salim Belkhadda, vous êtes avec nous? Oui, oui. Alors, j'aimerais que vous nous précisiez quelque chose avant de revenir à l'homme qu'on aimerait vous entendre nous décrire. En 1954, en novembre 1954, où se trouvait Ben Youssef Belkhadda? En fait, en novembre 1954, après le déclenchement, vous savez que la direction du PPMPLD, hein, vous avez dit PPMPLD, c'est la dénomination, a été emprisonné. Donc il était en prison en même temps que Ben Bouled, en même temps que beaucoup d'autres dirigeants du PPMPLD. Et il a reçu la visite à l'époque de l'envoyé de Gaulle, c'était Vincent Monteil. Vincent Monteil, conseiller de Gaulle. Et dès le début, il disait qu'il fallait, il lui disait d'ailleurs, Monteil le dit dans son livre, qu'il fallait négocier avec le FLN. C'était vraiment dès le début, là. Donc, au 1er novembre 1954, il était en prison. Non, il a bien sûr après le déclenchement. Et juste après, dès qu'il est sorti, il a rejoint le FLN en mai 1954, mois après. Voilà, tout à fait. Ouais. Donc après sa sortie de prison, donc il rejoint un petit peu son ami d'enfance, hein, et c'est Adnan Ramdan, qui avait déjà donc pris l'Alger en main avec Kérim et à partir de là donc il commence à travailler donc avec Adam. Puis la Soumam le nomme donc membre du CCE, qui est comme vous le savez la direction du FLN. Donc j'étais comme vous le savez 5, hein, avec Ben Hidi, Adam, Tahleb et Kérim Lahir-Hamankam. Donc c'est peu de temps après sa libération de prison, je crois que c'était en mai. En mai 1955, 6 mois ou 7 mois après le déclenchement. Il devait le conseiller, le confident de son ami Adam, qui était responsable de l'Algérie. Là, il a mené, d'ailleurs, sur Ibrahim Cherbiyeh, un petit peu tout ce qui était politique, alors que Ben Hidi avait tout ce qui était militaire, si vous voulez résumer un petit peu. Il avait son bras droit, Ibrahim Cherki, qui vient de nous quitter il n'y a pas longtemps, donc Ibrahim Cherki qu'on voit sur la photo avec Ben Hidi. Vous voyez cette fameuse photo, l'arrestation de Ben Hidi. Donc là, il a mené un travail de fourmi auprès de la bourgeoisie, il a été alias Monsieur Joseph Molina. Oui, c'était son pseudonyme. Château avec le PCA. Oui. C'était son pseudonyme. Alors il y a pas mal d'anecdotes ici à raconter. Alors il a essayé de
de travailler au corps le PPA, le PCA, le Parti communiste algérien. Et il s'est rapproché aussi des grands notables algériens, Bachaga, députés, etc. Et c'est aussi pour essayer de les rameuter en quelque sorte. Il a été en fait le principal négociateur avec le PCA. C'était, je pense, de Kajiru, c'est le Hadjari, il négociait à Alger la libération du stock d'armes, comme il connaissait. Les communistes avaient réussi auparavant à se procurer grâce à l'affaire Maillot. Et aussi, ils étaient à l'origine de la création du GTA, qui était un vieux projet du PPMTRD, avec pour responsable Aïssa Tibir, aussi un membre du comité central. Il a été le fondateur ou l'un des principaux fondateurs de l'IGTA. Oui, de l'IGTA, l'un des principaux, avec Boualem Bourouiba, avec Aïssa Tidir, avec aussi à l'heure active, Hassan, le drapeau algérien, l'UGMA, etc. L'UGMA, en effet. Donc c'était un petit peu les politiques qui, quand ils ont pris un petit peu en main, si on peut dire ainsi, la révolution, parce que vous savez qu'Aben avait un bac-mat, Et il a fait des études en pharmacie, mais il avait toujours déclaré avoir toujours rêvé faire des études religieuses à Zitouna ou à Al-Azhar. il a toujours dit, c'est vrai, comme s'il avait raté sa vocation. C'est vrai, il disait souvent, moi j'avais pour objectif, comme objectif d'aller à Zitouna, faire... des études en théologie, et voilà, parce que, comme vous le savez, donc, disait tout à l'heure, mais comme tous les nationalistes, comme la plupart des enfants de son époque, à l'âge préscolaire, il s'est inscrit à l'école coranique, donc, où un petit peu, il a appris les rudiments de la langue arabe, etc. Il fait partie d'une génération d'Algériens qui fera de l'identité arabo-musulmane un des socles idéologiques. Mais Ben Youssef Bekhedda, est-ce qu'il était à sa manière, à ce moment-là, où l'expression n'existait pas encore, est-ce qu'on pouvait dire qu'il était un islamiste avant l'heure? Non, je pense pas. Bon, un petit peu, bon, si on revient dans l'historique du PPMTLD, quand même, vous avez déjà la déclaration du 1er novembre, qui traduit un petit peu l'idéologie du parti, qui était un petit peu l'instauration d'un État social-démocratique dans le cadre des principes islamiques. Bon, sur le plan idéologique, il disait que nous avions, qu'ils avaient c'était d'ailleurs ce qui reprochait au parti sa faiblesse idéologique. On peut dire que il parlait de valeurs islamiques, de respect de l'amour de la langue arabe, et que nous a inculqué un petit peu nos grands-pères, puisque notre grand-père avait une école coranique à Blida, et qui fut fermée d'ailleurs par l'administration coloniale. Et voilà. Restez avec nous, Salim Bekhedda. Pardonnez-moi si je vous ai appelé Ben Youssef il y a un instant. Normalement, ça devrait vous faire plaisir. Restez avec nous, je vais recevoir à présent un grand monsieur que j'ai beaucoup de plaisir et d'honneur à recevoir, monsieur Zahir Ehdaden, ancien Mujahed, professeur d'université, qui a côtoyé longtemps Ben Youssef Bekhedda et qui va nous dire des choses sur lui, je l'espère. Monsieur Ehdaden, merci d'être avec nous. Merci de m'avoir invité. Merci. Alors, vous avez donc, comme je viens de le dire, longtemps côtoyé Ben Youssef Bekhedda, de très près. Parlez-nous un peu, avant qu'on en arrive à la création d'El Mujahed, puis plus tard d'El Ouma, bien après, parlez-nous un peu de l'homme, de son tempérament, de ses aspirations, de son grand rêve d'une Algérie authentique. Son fils avec M. Slam, vous en avez déjà parlé. Il me semble que avec Bekhedda, on doit distinguer deux aspects de sa personnalité. C'est tout d'abord un homme, un humain,
Il a beaucoup de qualités humaines, très modeste. Il écoute les gens, il répond, il est serviable. C'est un très bon musulman, plein de foi, attaché à l'islam. Ça, c'est, si vous voulez, c'est le côté humain de sa personnalité. Très attachante, et très... on a beaucoup de sympathie pour lui, beaucoup, on aime beaucoup s'approcher de lui, puisqu'il est plein de respect, il vous écoute. Il y a un dialogue qui s'installe très souvent avec lui, facilement. Et puis il y a le deuxième aspect de sa personnalité, c'est l'homme politique. Alors là, l'homme politique, comme il a tendance un petit peu au secret et à la discrétion, il ne parle pas beaucoup, et il est prudent, très prudent. Et vous savez, en politique, la prudence, quand elle atteint un certain degré, une certaine ligne, elle devient presque négative. Et cette prudence, il me semble que dans sa vie politique, dans son action politique, lui a causé, il me semble, des ennuis. Quand il était au NTNG, même pendant la Révolution, et peut-être même après la Révolution. Et justement Zahir, Zahir Haddaden, c'est cette prudence, cet excès de prudence dont vous parlez, cette douceur excessive selon... pour reprendre le terme de certains, qu'on reproche à Ben Youssef Ben Khedda lors de la crise de 1962 qui aurait permis à l'armée des frontières de prendre le pouvoir. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien oui, c'est exact. Il me semble qu'il a été très prudent. Il me semble, enfin, d'après mes connaissances, mes informations, les décisions qu'il a prises... il les a pris très en retard et ça lui a joué des tours. D'ailleurs, il me semble même quand, avec la crise entre les centralistes et le Messali, il est trop prudent. C'est-à-dire, comme il est musulman, comme il est plein, il ne veut pas faire de mal, vous voyez. Alors, il hésite à prendre des décisions très décisives. Il attend. Et cette attente lui joue des tours. Hein, ça lui cause des ennuis, non seulement avant la Révolution, pendant la Révolution et même après la Révolution. Mais de toute façon, lui, avec son optimisme et sa foi, naturellement, il finit toujours par reprendre le dessus, mais un peu tard, voilà. Oui, mais une telle personnalité pétrie de telles valeurs, d'un tel humanisme, ça ne pouvait pas marcher avec de tels loups, j'allais dire, de tels grands fauves. Eh oui, c'est exact, c'est exact. Ouais. Et pourtant, vous savez, quand on approche Ben Khedda, on se demande, est-ce qu'il n'y a pas des contradictions dans sa personnalité? Vous voyez, un homme de foi, sincère, naturellement, il a affaire à des loups. Alors, la sincérité avec les loups, elle ne peut pas vaincre, elle ne peut pas vaincre. Absolument. Et ça, c'est exact, c'est la contradiction un petit peu qu'il a. Et il me semble qu'au fond de lui-même, il a un petit peu souffert d'après mes contacts avec lui. Il a souffert de cette contradiction. C'est-à-dire, c'est sa foi, son éducation, son humanisme ne lui permet pas d'agir comme le font les autres, et particulièrement ses adversaires. De sorte qu'il est prudent, il attend, et finalement, on a le dessus sur sa... enfin, il perd. Il est très souvent perdant. Zahir Haddaden, parlez-nous un peu de ce grand épisode de la création d'El Moujahed et de son rôle et du vôtre dans ce grand journal qui allait être le papa de la presse algérienne qui malheureusement a mal tourné après l'indépendance, mais là est un autre sujet. Parlez-nous un peu du rôle de Ben Youssef. C'est exact.
Oui. Vous savez, lui, il a toujours été porté vers la presse. Et il sait qu'un parti politique, que l'action politique, l'action révolutionnaire, a besoin d'une presse solide. Alors quand il était au MTLD, naturellement, il s'occupait de l'Algérie libre également. Mais pendant la révolution, avec à peine Ramzan et l'Arabie Brunhidi, c'est lui qui avait la responsabilité de lancer El Moujahed. Naturellement, il s'est appuyé un petit peu sur Dahlem et sur un autre militant, son nom ne me revient pas. Et c'est lui qui a été la cheville ouvrière, en somme, de la création et du lancement du Moujahed, qui a été lancé bien avant la tenue du congrès de la Soumam. El Moujahed a paru au mois de juin. Et c'est lui qui a été derrière la création de ce journal, naturellement en collaboration avec Abdel Hamdan et Belmidi. Voilà, mais naturellement, il a été pendant tout le temps où Moujahed est resté à Alger, par ici à Alger. Allô ? Oui, oui, on vous entend très bien. Pendant cette vous suivez. Vidéo, oui. C'était Ben Khadda qui était derrière toujours l'apparition du journal. Comme vous savez, Moujahed a paru pendant 5 numéros à Alger. Le 7e, numéro 7, a été saisi par l'armée française. Il a été saisi dans les locaux de la fabrique de café de Mouhoubi, ici au ruisseau à Alger. Par conséquent, le numéro 7, qui était déjà imprimé, hein, puisqu'il n'était pas imprimé dans une imprimerie, mais il était tiré à la Roméo, il est sorti, mais il n'a pas été diffusé. Et ce numéro 7, justement, on n'en a pas, on n'a pas d'exemplaire de ce numéro. Et après la saisie de ce numéro par l'armée française, le Moujahed a cessé de paraître ici à Alger. Alors le numéro 7, est-ce que vous n'en avez pas gardé ? Est-ce que vous n'avez pas pu mettre la main sur une copie du numéro 7, ce numéro historique ? Pardon ? Le numéro 7 qui a été saisi, est-ce que vous n'en avez pas gardé une copie quelque part ? Non, on n'a pas de copie. Tout a été saisi. La totalité a été saisie par l'armée française. D'accord, très bien. Il n'y a pas d'exemplaire ce numéro 7. Qui est échappé à la saisie. D'accord, très bien. Vous nous l'apprenez. Ah, oui, il a disparu entièrement. Zahir Ehdad, restez avec nous, je reviendrai vers vous. Le numéro 7 a été saisi pendant. Oui, je vous en prie. Juste après la guerre de 8 jours. Oui. Hein, pendant qu'il y avait le problème de ce qu'on appelle la bataille d'Alger. Hein. Oui, oui, effectivement. Parce que quand il y a eu une période où le Moujahed a cessé de paraître. Exact. Et par la suite, naturellement, il s'est acquitté l'Algérie. Et ils se sont retrouvés à Tétouane. Et c'est à Tétouane que le journal a été lancé de nouveau. À Tétouane, au Maroc, au nord du Maroc. À Tétouane, au nord du Maroc. Oui, à Tétouane, au nord du Maroc, oui. Dans l'ancienne zone espagnole. Voilà. Alors, c'est le numéro 8, par conséquent, c'est le numéro 8, c'est le premier numéro qui est apparu à Tétouane. Et ce numéro a été lancé également par Ben Khadda et Dahlem, Allah yarhamhoum. Moi, j'ai assisté au lancement de ce numéro. Et c'est Ben Khadda et Dahlem qui nous ont réunis et qui nous ont parlé, parce que auparavant il y avait la résistance algérienne qui paraissait à Tétouane et à Tunis. Alors naturellement, la résistance algérienne a cessé de paraître. On a fait venir de Tunis Frantz Fanon et Mohamed Mbili qui ont rejoint l'équipe de résistance algérienne qui était à Tétouane avec Ali Haroun et enfin j'étais, il y avait Mahidin, etc. Et on a fait venir Reza Malik qui était à Rabat. On a fait venir à Tétouane. Alors Ben Khadda nous a réunis
avec Dahloun. Et voilà, il nous a dit on va lancer maintenant le Moudjahad et on va lancer le numéro 8. Et il a désigné les responsables du journal. C'est lui qui a désigné Reza Malik comme étant responsable du journal. Et il a désigné Franz Fanon comme rédacteur en chef de la partie française. Et Mohamed El Mili comme rédacteur en chef de la partie arabe. Et moi j'étais dans la rédaction et voilà. On a fait paraître, naturellement, juste après l'apparition du numéro 8, Ben Khadda et Dahleb ont rejoint le Caire, ont rejoint Tunis et le Caire. Et à ce moment-là, naturellement, il y a eu le CNRA qui s'est réuni, et c'était au mois d'août 57, et Ben Khadda et Dahleb ont été éloignés du CCE, comme vous savez, et Abdel Ramdan a été marginalisé pendant la réunion de ce CNA. Très bien. Voilà, c'est le passage de Ben Khadda, comme vous le savez, on s'est rencontrés là-bas. Naturellement, moi je connaissais auparavant Ben Khadda, puisque même quand j'étais militant du PPA, on allait souvent et je le rencontrais au local, qui était à la place de Chartres. Voilà, moi, Ben Khadda, vraiment un homme discret, un homme efficace, si vous voulez, dans l'action. Et c'est lui qui était derrière l'apparition du journal Mouguen, naturellement jusqu'à Tunis, par la suite, quand c'était Abdel Ramdan qui a été chargé, quand il a été marginalisé du CCE, on lui a confié uniquement la responsabilité de journal El Moudjahed. Et El Moudjahed était dirigé par Abdel Ramdan et Ben Khadda, naturellement, était quelque part à Tunis. Voilà. Merci beaucoup, Zahir Haddad. Je vous remercie pour cette participation en espérant vous recevoir encore de nombreuses autres fois dans nos émissions. Merci infiniment, au plaisir de vous revoir. Je reviens à Sadr Sellem avant de le quitter lui aussi pour permettre à nos téléspectateurs d'intervenir. Sadr Sellem, nous en arrivons, nous sommes obligés d'accélérer un peu le rythme, nous en arrivons à la période cruciale de l'été 1962, la crise de l'été 62. Et comme vient de le dire Zahir Haddadin, beaucoup de gens ont reproché à Ben Youssef Ben Khadda d'avoir été trop doux, pour ne pas dire pusillanime, puisque ce mot a été évoqué, Rabbi Rahmo. On dit de lui qu'il a été trop gentil, trop doux, parce qu'il a voulu éviter une tragédie au peuple algérien, il voulait éviter que le sang des Algériens ne coule. Il a été contraint et forcé pratiquement de laisser le pouvoir à cette armée des frontières qui avait débarqué. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, alors avant de parler de cet épisode très important, je réponds à votre question, était-il islamiste ? Il m'a raconté que dans une réunion des cadres du parti en 1948, il y a eu une sorte de référendum. Quel sera le pouvoir, le régime de l'Algérie indépendante ? Il m'a dit une majorité a voté pour une république au lieu d'une monarchie, parce qu'il y avait quelques-uns qui savaient qu'il y avait l'Emir Saïd, le fils de l'Emir Abdelkader, etc. Deuxième vote, deuxième tour, quel type de république ? Il m'a dit presque la majorité ont voté pour une république islamique, en 1948. Donc voilà, alors, moi je suis contre ce genre de questions, parce que le mot islamisme nous a été imposé par des spécialistes de la confusion, style Keppel et compagnie. Il n'existait pas à l'époque, mais tous les militants étaient imprégnés de culture religieuse, et ils n'avaient pas honte, et non seulement ils n'avaient pas honte, mais ils voulaient puiser dans l'islam des éléments qui leur permettent d'instituer un pouvoir indépendant. Et je pense que c'est cette référence islamique chez Ben Khadda qui le conduisait à se déterminer en politique en fonction d'une éthique. La fin ne justifie pas les moyens chez lui. Il était en avance par rapport à son temps. Et
pour en arriver à la crise de 62, elle a commencé immédiatement après son élection à la tête du GPRA en septembre 1961, au CNRA, deuxième CNRA de Tripoli. Et j'ai une de ses premières directives au Wilaya. J'ai la copie envoyée à la Wilaya 1, mais on sait qu'il a envoyé à toutes les Wilayas. L'état-major général est dissous. Les Wilayas dépendent de la présidence du Conseil. Et nous revenons à l'ancienne configuration des deux COM, les opérations militaires de l'Est et de l'Ouest de 1958. Et c'est à ce titre qu'il a envoyé le commandant Moussa Benhamed pour diriger le COM à Oujda. Or, Benhamed a été arrêté à Oujda. Abou Arfa, je crois, est amené à Oujda. On a le détail des anciens Junouf qui étaient là-bas. Et l'affaire, donc son conflit avec l'état-major a commencé dès son accession à la présidence. Et l'affaire Moussa, dont on parle très peu, qui est un épisode vraiment significatif de l'affrontement entre de vrais démocrates et des gens qui font de la politique uniquement pour arriver au pouvoir. Et l'affaire a traîné jusqu'en février 62. Donc les négociations avaient avancé, etc., évident, et le GPRA s'est réuni à Mohamedia, au Maroc. Et dès son arrivée, Ben Khadda, de Rabat, a téléphoné à Oujda, il a trouvé Qaïd Ahmed. Et il voulait parler à Boumediene, mais Boumediene était à Berkane. Alors ni Qaïd Ahmed ni Boumediene ne savaient que tous les téléphones au Maroc étaient écoutés à partir d'Oran, parce que tout le système, le réseau téléphonique du Maroc dépendait du central d'Oran. Et on a une fiche d'écoute du SDEC de Boumediene et de Qaïd Ahmed. Qaïd Ahmed a appelé Boumediene à Berkane. Il lui dit, le président nous convoque, je ne vous dis pas par politesse la réaction de Boumediene. C'est une forme d'insubordination, et c'est là où on a un militaire qui accepte l'insubordination et un politique civilisé, qui voulait une politique de conforme à civilisation. Je vais vous interrompre, Sadek Selem, restez avec nous, je vais vous laisser écouter une déclaration de Ben Youssef Ben Khadda et je vous laisserai poursuivre juste après. Donc nous allons écouter, regarder. Il se pose ici le problème de l'intégration de l'ALN et plus particulièrement de celle des frontières. Cette question délicate qui constitue l'un des points essentiels de la reconversion ne pouvait et ne peut être tranchée que dans le cadre de la création de l'armée nationale algérienne. C'est seulement dans ce cadre et sous l'égide de l'autorité centrale que peut s'opérer la fusion de l'ALN des frontières et celle de l'intérieur. Or, certains officiers qui ont vécu à l'extérieur n'ont pas connu la guerre révolutionnaire comme leurs frères du maquis, guerre basée essentiellement sur le peuple et dont l'ALN n'a été que le fer de lance. Le peuple a été l'artisan principal de l'indépendance. Ces officiers qui sont restés pendant la durée de la guerre aux frontières tunisiennes et marocaines ont souvent tendance à ne compter que sur la force des armes. Cette conception dangereuse conduit à sous-estimer le rôle du peuple, voire à le mépriser, et crée le danger de voir naître une féodalité ou une caste militariste telle qu'il en existe dans certains pays sous-développés, notamment en Amérique latine. Là se retrouve la maladie de l'exil. La révolution n'est pas l'œuvre d'une fraction du peuple, mais il est basé sur la mobilisation de tous les Algériens. La cheville ouvrière, le gardien vigilant de la révolution, c'est le militant, avec ou sans uniforme, qu'il soit dans le FLN, l'ALN, les syndicats ou toute autre organisation nationale. L'armée est au service de la nation, c'est-à-dire qu'elle est sous l'autorité directe et absolue du gouvernement qui exprime la souveraineté nationale. Elle n'est pas la source du pouvoir selon l'idée simpliste qui confond force armée et origine du droit et du pouvoir. Cette origine ne peut être que le peuple. C'est là un principe de base de notre révolution et de toute démocratie. Sadek Selem, je vous laisse commenter, je vous laisse poursuivre. De
tout commentaire, c'est un programme d'un démocrate qui avait vu le danger de la militarisation du pouvoir. Il a expliqué lui-même à plusieurs reprises qu'il avait les moyens de résister, mais il a dit, moi je voulais éviter une effusion de sang parce que j'avais affaire à des gens qui étaient prêts à un bain de sang uniquement pour atteindre leurs objectifs et assouvir leur soif de pouvoir. Donc il a mis les intérêts du peuple au-dessus de tout. Et est-ce qu'il savait à l'époque que ses adversaires avaient déjà le soutien de trois pays ? D'abord la France, ensuite l'Égypte, et en troisième lieu le Maroc. Hassan II se méfiait des centralistes, de Bakhada et de Dahleb, parce qu'il savait que c'était des interlocuteurs et des partenaires très exigeants. Et on lui a dit, ses services de l'époque, que Bembella serait plus malléable et manipulable et qu'il aurait été disposé à faire des concessions sur les frontières. Alors, ce que Bakhada avait toujours refusé. Et si vous voulez, le fait d'avoir été évincé ne signifie pas qu'il avait tort. Au contraire, ce discours était vraiment excellent. Mais quand on a le soutien de ces trois pays, si vous voulez, De Gaulle, il a préféré Bembella parce qu'il... nous avons perdu Sadr Sellem, malheureusement. Salim Benkhadda, vous êtes avec nous? Oui. Je vais vous demander de rester avec nous. Nous allons ouvrir le standard pour permettre aux téléspectateurs de s'exprimer, éventuellement de vous parler, de vous poser des questions ou de commenter ce qui a été dit. Nous allons, et je vous demanderai de rester avec nous, vous resterez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Alors, nous avons avec nous, nous allons ouvrir le standard, je crois que c'est déjà fait. Et nous avons avec nous... alors, en attendant de recevoir des appels, voilà, c'est affiché. Salim Benkhadda, je vous demanderai de répondre assez rapidement parce que les appels vont arriver. Ce qualificatif de trop doux qui a été attribué à Benous Benkhadda par rapport aux concessions qu'il a fait lors de la crise de l'État de l'été 62, qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Oui, donc c'est sûr qu'on a eu l'occasion d'en discuter. Et bon, certains parlent d'indécision, d'autres de frilosité. Vous avez même parlé de pusillanimité. Ce n'est pas, mon terme. Hein. C'est un terme que j'ai repris dans la... Non, j'ai compris. Oui. Donc oui. Il a été gratifié. Mais lui, il répétait souvent, plutôt que de vouloir se maintenir au coursi, plus au prix de la vie d'un seul Algérien, il voulait que moi, sauf, j'ai des scrupules, Dima, il voulait qu'il acte Dima. Autant il disait je fais preuve de détermination face à l'ennemi, autant je suis plein de scrupules vis-à-vis de mes frères. Il avait un engagement, c'est de ne jamais transiger sur la cohésion, j'allais dire, de ses corps religionnaires et de pousser toute initiative. Donc, toute initiative, on doit semer la division. D'ailleurs, comme vous le savez, il avait reçu le soutien indirectement proposé par le roi de Jordanie via la Libye pour armer le GPRA. Et il me disait, si on avait accepté cela, les uns auraient été armés par la France et les autres par un petit peu les Américains. Et il y avait le spectre de la congolisation, comme vous le savez, à l'époque. Donc, et grâce soit rendue à Dieu, il a contribué soit peu à écarter le spectre immonde de la guerre civile. Donc, privilégiant un petit peu le sens moral sur toute autre considération et ne désespérant pas, comme il le disait, du verdict final de l'histoire. Bon, restez avec nous, Salim Benkhadda, je reviendrai à vous à chaque fois. Nous avons donc Dorman Abdelghani. Dorman Abdelghani, merci. Merci d'être avec nous. Allô ? Dorman Abdelghani, merci. Je vous en prie. Oui.
Voilà, je voudrais intervenir pour rendre hommage à un homme à l'occasion du 13e anniversaire de la disparition de Benyus Ben Fedda. Donc, je voudrais saluer la mémoire de cet homme, des grands moujahides, qui fut, il ne faut pas l'oublier, qui fut le deuxième président du GPRA et le premier président légitime de l'Algérie indépendante. Pour l'histoire, contiendra certainement la vision, la perspicacité politique, l'intégration, la transcendance de soi et le désintéressement. Le défendre se bat connaissant la soif et la rapidité de pouvoir de la fermer des frontières sous la direction de Roukhalouba. Oui. Oui, et voyons, il y a l'attitude, donnez-moi 23 minutes, s'il vous plaît, monsieur Nouf. Et voyons l'attitude du peuple algérien, qui était lancé du colonialisme et de la guerre de libération, monsieur Ben Fadda, voyez-vous, a décidé de se retirer en silence, en entendant de la renommée du célèbre slogan populaire que la fin de la guerre, sans aucune résistance à la force imposée par les chars des gauchistes. Abdelrahim Idrouman, on vous entend très mal, il y a un problème de téléphone, je vous remercie. De nous avoir, d'être intervenu, de vous être exprimé. Maana Farhat Maghlaoui. Farhat Maghlaoui, merci d'être avec nous. Farhat Maghlaoui. Merci, Jamal Bin. Alain Bek, je vous en prie. Allô. Oui, oui, c'est Farhat, Fadal, je vous en prie. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie, Jamal Bin. Fadal. Je vous en prie, Farhat Maghlaoui. Merci, Jamal Bin. Merci. Oui, écoutez, tout d'abord, je dirais, notre monument, Ben Fedda, Benyus Ben Fedda. Et je voudrais tout de suite donner une réponse à votre question quand vous parliez de deux journaux seulement qui ont évoqué cet événement, à savoir la mort du président Benyus Ben Fedda. Je voudrais dire seulement que cette presse, elle a une lecture sur les hommes, surtout sur les intellectuels. Cette presse qui voudrait nous marteler en Jordanie et qui voudrait nous faire admettre qu'il n'y a d'intellectuel que celui qui épouse les thèses laïques. Or, le président Ben Fedda est loin de ces thèses. C'est un homme profondément imprégné des valeurs de son peuple, de l'islam. Et c'est pour ça qu'il n'en parle pas. C'est tout, c'est simple. Je vous ai marqué aussi sur ses prises de position dans son histoire, à savoir son effacement au lendemain de l'indépendance, lors de la prise du pouvoir, du coup de force de l'armée de frontières. Eh bien, c'était passé pour justement éviter un baisse de son au peuple. J'appellerai cette position. Ça me rappelle celle du troisième calife de l'islam, en l'occurrence, Abdelman. Merci Farhat Maghlaoui. Nous allons prendre un appel, puis nous ferons un petit intermède et nous reprenons, mais pas pour longtemps, parce que l'émission qui vient juste après doit se faire à son heure, ou du moins avec un tout petit retard. Hassan Loussef, merci d'être avec nous. Merci à vous de Sidi Jamal Din, et je salue aussi Monsieur Ben Fedda, le fils du grand Ben Youssef Ben Fedda. Merci. Merci à vous. Je vous en prie. Je vous remercie d'avoir organisé d'avoir consacré cette émission à l'une des figures de proue de l'histoire récente de l'Algérie. En l'occurrence, Sidi Ben Youssef Ben Fedda. Aussi, je suis consterné et révolté au plus haut point par le peu de considération qui est accordée à la mémoire de ce grand homme. En fait, ce peu de considération traduit une triste réalité. C'est celle de la volonté de mutiler notre mémoire et de tuer le politique de notre pays. Pourquoi je dis cela ? Dans le rapport conflictuel entre le politique
le militaire qui a jalonné l'histoire récente de notre pays, Sidi Ben Youssef Ben Khedda figure parmi les figures les plus importantes du politique, de par le rôle, de par les postes qu'il a occupé, qui lui ont permis d'être au cœur des événements. Notamment, il était secrétaire général du PPMTLD, ensuite membre du comité central et du comité de coordination d'exécution au congrès de la Soumam, ensuite ministre des Affaires sociales au GPRA, pour être désigné par la suite à la de ce même GPRA. En fait, Sidi Ben Youssef Ben Khedda est dans la lignée de ce qui est tout à fait opposé au régime algérien actuel. Après l'indépendance, Sidi Ben Youssef a plaidé pour l'élection d'une assemblée constituante. Et justement, nous parlons aujourd'hui de constitution. Donc voici pourquoi on ne donne pas trop d'importance à l'une des figures de proue de notre histoire. Donc il y a aussi autre chose, c'est qu'il était opposé à l'arrêt du processus électoral au début des années 90. En plus de cela, il a plaidé pour une solution politique négociée. Merci Hassan, je suis obligé de vous interrompre. Comme je suis désolé de ne pouvoir revenir vers Salim Ben Khedda pour lui permettre de dire le mot de la fin, j'aurais voulu aller plus longtemps, notamment pour parler de ce rôle justement durant les années 90, la tragédie rouge, la décennie rouge, comme on dit, de sa tentative de créer un parti politique, l'Oumma, et de tout ce qu'il a enduré. J'aurais voulu aussi parler de cette période où il a été empêché, le fameux manifeste qu'il avait publié avec d'autres grands leaders politiques durant la farce de la charte nationale. Ça ne fait rien. J'espère qu'on aura l'occasion d'y revenir. L'homme mérite qu'on lui accorde plus qu'une émission. Cette émission est maintenant terminée. Merci à mes invités, merci aux téléspectateurs, merci aux nombreux, très nombreux téléspectateurs qui sont en train d'appeler en ce moment et que nous ne pourrons malheureusement pas inviter, recevoir. Merci à vous.